Salut les potes! On se retrouve en selle après un long moment d'absence. Il a plu énormément, c'était une dinguerie. Je crois que pendant 6 mois il paraît de pleuvoir. Un truc de fou. Donc là on se retrouve avec le pote qui a vu Luzaberg l'année dernière. On a fait une vidéo ensemble. Et du coup là il a changé, il a pris un 300 bêta. Tout rutilant, tout neuf. À peine rodé. Donc on s'est dit on va faire la première sortie ensemble, ça va être cool. On en profite, ça va essuyer. Et puis en avant Guingamp, comme on dit. Hein. J'espère que ça va pas trop grave parce que mon pneu arrière il est mort. J'ai pas pris le temps de le changer. J'ai un petit peu d'appréhension quand ça fait un moment qu'on n'a pas roulé comme ça. Ah, pour ma part. Hein. Un peu d'appréhension sur la peur que ça se masse mal, la peur de ne pas réussir à suivre. T'es une merde! D'être plus à bouler qu'autre chose. Ouais, bon, j'essaie de prendre du plaisir. Désolé, si je vais peut-être tousser un peu, sûrement même. Je sors d'une semaine de crève, de grippe même, de la fièvre. Même si c'était pas le Covid, moi j'ai pas fait de test. Enfin bref. Vous allez certainement m'entendre tousser. Oui. Chelou l'adhérence là. Putain, vous savez que j'étais une foutre moi. Point de lucidité ça. Il doit avoir du coffre sa machine hein. Oh mon dieu. De toute façon, ça doit taper quand même. Ça faut la tenir la machine. Pour rendre physique, je pense.
T'as la capacité pulmonaire, ça doit être 50% je crois. C'est la moitié encombrée, truc de dingue. Hein? Hyper sec, hein? Bah c'est pas vilain, hein? C'est juste ce qu'il faut pour l'adhérence. Ouais. Ouais. C'est le petit tour pour voir comment t'étais. Ah, okay. Je suis calé comme un con. Oh la rochée qui arrive là mieux. Elle est pas mal celle-là. Hein? Elle est pas mal celle-là. J'aurais de crever. Vous allez dire en temps de la remonter celle-là pour voir. Vas-y. Il est possédé. Il faut faire venir un père exorciseur. C'est une petite pause tout à l'heure, j'ai cru que j'avais cramé. J'avais plus respiré. J'ai vu un grand flou lumineux. Je suis là mon pote. Ça arrête un petit coup. Hein. Marie quand je veux. Ah, c'était chaud avec la rocaille. Putain, j'ai cru que t'avais dans l'arme, mec. J'ai vu l'arbre, j'ai du sang, t'en verras bien. J'ai oublié qu'on avait 40 balles.
pris de la vitesse là. Ah putain la vache, je pensais pas que j'étais aussi profond. Ouais, non, j'aurais pas dit. J'ai de l'eau. J'ai de l'eau partout dans les bottes. Ouais, pareil. Oh yeah. Allez. T'es... Ouais, chaud, on essaye hein. En haut, quand t'arrives en haut, on va faire une cuvette. Ouais. Ça remonte en face avec des lampes en face. T'es sûr? En deux hein. Elle a tapé la selle. La pute de selle, elle a tapé. Putain, magnifique, hein. Elle est sympa, celle-là. Elle est sympa, ouais. Dommage, j'ai merdé à la fin, putain. Vas-y, je te regarde, hein. Sympa, ça. J'avais essayé 3 fois que tu as mis, j'ai jamais réussi à arriver en haut. Ça a déglingué lui. Oh yeah. Putain, le dévers de ouf. Ah, c'est chaud quand même. Elle tombe toute seule celle-là. Ouais, bah, j'ai repris une autre. Ah, ouais, j'arrive pas à prendre trop de vitesse. Faut que j'essaye peut-être avec trop de mode. Elle cabre et puis quand tu mets trop de gaz. Là où ça galère, c'est tout le temps là, t'as des pierriers avec des branches et ça part en. Tu perds l'adhérence ? Elle va me sécher, je vais rester une autre. Je vais faire un petit tour. Bah vas-y hein.
jamais vu, parce que quand il me dit petite montée, lui. Ça prend toujours des proportions hors du commun. Je crois avoir aperçu celle qui veut nous faire. À gauche, là. On me fout dans l'axe, miraculeusement. Incroyable. Ça aurait pu être du talent, hein. C'est dommage que dans mon cas ce soit de la chance.